Le vase de Zou. Zou, tiens le pied, s'il te plaît. Comme ça, papy? Oui, c'est très bien. Tiens le bien droit, hein. Ça fait un moment que cette coiffeuse a besoin d'être réparée. Parfait. C'est Nanou qui va être contente. Oui, super. Oh non. Oh, ça n'a pas l'air bien grave. On va pouvoir le réparer. Ça ne sera pas très difficile. On le dira à Nanou quand elle sera rentrée de sa promenade. Allez, Zou, on va arranger ça dans mon garage. Une petite goutte de colle là-dessus et tu verras, elle sera presque comme neuf. Ah oui, je l'espère, papy. Et voilà, regarde. On ne voit pas du tout que ce vase a été cassé. C'est vrai, il a l'air tout neuf. Je vais le laisser là le temps qu'il sèche bien. Regardez-moi cette poussière. Oh. Cette fois, il va falloir le remplacer. Ne t'en fais pas, Pog, tu n'as pas fait exprès. Ne sois pas triste. Tu nous aideras à choisir un nouveau vase pour Nanou. Nous l'achèterons à la boutique de ta tante Zelda. Ah oui, bonne idée, papy. Tu sais, à la boutique de tante Zelda, il y a beaucoup de choix. J'espère qu'on va trouver un vase qui plaira à Nanou. J'en suis sûre, Zou. Il y aura ce qu'on cherche là-bas. Oui, moi aussi. Tante Zelda a toujours un tas de jolis vases dans sa boutique. Formidable, Zou. Regarde tous ces vases en vitrine. Mais je ne vois pas le même que Nanou. Ah, je suis sûr qu'il y en a d'autres à l'intérieur. Bonjour, Tante Zelda. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous voulons acheter un vase. Zou et moi, nous avons fait une petite bêtise. Oh, rien de grave, j'espère. Alors, quel genre de vase désirez-vous? J'en ai de toutes les formes et de toutes les tailles. J'ai ce vase rond qui a beaucoup de succès. Non? Sinon, il y a celui-ci pour les grandes fleurs. Oui, il est un petit peu plus classique, c'est vrai. Ou ce très beau vase à pois. C'est très beau, Tante Zelda. Mais on en veut un exactement comme ça. Oh! Je vois. Celui-là, à droite. Il est presque pareil. Mais oui, Zou, c'est bien vu. Ah, celui-ci est en terre cuite de très bonne qualité. Il a beaucoup de succès en ce moment. C'est le dernier qu'il me reste. Merci, Zelda. On va l'apporter à la maison, mais avant ça, on s'arrêtera chez Monsieur Zoé. J'ai quelques courses à faire. Oh! Pourriez-vous lui rapporter ce présentoir de ma part? J'ai promis de le lui rendre, mais Xavier est de sortie aujourd'hui et je suis seule au magasin. Aucun problème, avec plaisir. Zou, tu porteras le vase, je me charge du présentoir. Au revoir, Tante Zelda, merci. Au revoir. J'espère que Nanou va aimer son nouveau vase. Je suis sûre qu'elle va l'adorer, tu vas voir. Au retour, il faudra que je fasse attention. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour. Zelda m'a chargé de vous rendre ceci. Oh, merci, j'en avais besoin, justement. Et il me faudrait du lait, du beurre et... Ah, j'oubliais, des fruits secs. Et voilà. Merci. Je vais porter le vase maintenant, Zou. Et toi, tu porteras les courses. Merci, papy.